Vous avez besoin de progresser. On a besoin de changement aujourd'hui, de progression. On a besoin de faire un flip dans notre vie. On a besoin de faire le grand saut. Et la progression, le fait de tourner la page, on en a besoin. Le fait de tourner la page, même mentalement, vous en avez besoin. Quand vous tournez la page, quand vous décidez de progresser, quand vous décidez de faire le saut, si vous voulez, le grand public appelle ça le changement. Mais dans les faits, le changement est automatique. Le changement n'implique pas un effort. La progression, c'est différent. La progression, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Eh bien parce qu'elle va fermer des portes qui étaient devenues trop lourdes pour vous. Elle va fermer des portes qui ne servent plus à rien. Et surtout, le fait de vous remettre en mouvement, même en ce moment, même si physiquement on se sent oppressé, même si physiquement on ne peut pas faire ce que l'on veut, eh bien ça va ouvrir d'autres portes, d'autres magnifiques portes. Ça, c'est le premier avantage à faire le grand saut en ce moment, au cœur de cette crise. C'est le moment de le faire. La deuxième des choses, c'est que vous allez, le fait de faire le grand saut, de progresser, de tourner la page, vous allez élaguer les choses inutiles, vous allez repousser les gens inutiles, vous allez vous écarter de la toxicité. Et l'une des premières toxicités dont vous devez vous écarter right now, c'est les médias. De savoir ce qui se passe, bien sûr que c'est important, mais de le faire en intraveineuse, laissez tomber. C'est toxique, élagué. Et c'est ça le deuxième avantage de faire le grand saut, de tourner la page et de décider le changement.